m'anime dans le travail de la vigne, c'est le fait qu'il n'y ait pas de monotonie. Chaque jour est différent. La vigne a tous les jours un aspect différent. Aujourd'hui, elle a une petite feuille, demain, elle aura une grande feuille, puis deux feuilles, trois feuilles, une ébauche de fleurs, une ébauche de grappes, une grappe qui change de couleur. Donc tous les jours, ça change. Le travail du vigneron, c'est de s'adapter au temps et à la nature, puisqu'il faut constamment s'adapter au temps qui fait. Aujourd'hui, on n'a pas le moyen de maîtriser la météo, et j'ai envie de dire, tant mieux. Donc je suis David Houdet, je suis le chef de culture de Marquis de Termes depuis 21 ans maintenant. Ce qui me passionne, c'est de travailler au quotidien dans les vignes. On a un encépagement assez classique du Médoc. Après, à nous de donner une orientation à cet encépagement, une orientation, j'ai envie de dire, charmeuse, élégante. Souvent, j'aime bien dire, c'est une main de fer dans un gant de velours. Au moment où fleurit la vigne, on sait à peu près quand est-ce qu'on va vendanger. Aujourd'hui, on cherche à avoir un fruit plus mûr. Donc du coup, on va vendanger bien plus tard, entre guillemets, pour avoir essayer de rechercher ce fruit mûr, ce fruit noir. C'est une période hyper stressante parce que c'est l'aboutissement du travail de toute l'année, mais c'est aussi l'aboutissement du travail de toute l'année de mes équipes. Pour leur transmettre cette passion et aimer ça, enfin, il faut avoir des prérequis, il faut aimer la nature. C'est des gens qui marchent dans les vignes tous les jours, donc ils aiment ça. Et comment leur faire partager la passion? La passion, en fait, elle se transmet autour d'un bon verre de vin. Ça permet de concrétiser tout le travail qu'on a pu faire. Ça nous permet de passer un moment tous ensemble, d'échanger bien sûr sur le travail, mais pas que. C'est quelque chose qui est généralement très apprécié. Il faut absolument que les gens prennent du plaisir. Enfin, je pense que c'est vraiment notre moteur, ça. C'est le plaisir. Tant qu'il y a du plaisir, on continue.